Salut à tous mes petits trolls, c'est Agent GB, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, la patate comme d'habitude, mais en tout cas ça va super, j'espère surtout que vous passez une excellente journée. Une nouvelle créature vient d'être rajoutée dans Minecraft, le Strider. Et les amis, vous me connaissez, moi vous présenter les petits mobs, tout ça c'est bien mignon, mais moi je veux glitcher, je veux faire des trucs de ouf avec ces mobs. Et regardez ce que j'ai découvert les amis, j'ai découvert deux glitchs. Le premier glitch est un glitch qui vous permet de faire voler, oui, voler votre mob. Regardez ça, vous pouvez vous déplacer comme ça dans les airs, tranquillou. Vous pouvez voler, vous pouvez descendre. Ouais, attendez, je remonte dessus. Mais bref, vous pouvez le déplacer, le faire déplacer également avec votre petit fungus sur un bâton. D'ailleurs, là, vous avez certainement constaté que je suis en créatif, mais rassurez-vous, les amis, je ne triche pas. Je suis complètement fonctionnel également en survival. Regardez ça, je peux voler dessus. Et il y a également un deuxième glitch, les amis, un glitch qui vous permet de vous déplacer à la vitesse de la lumière sur ce Strider. Alors, comment faire ces deux glitches? Et bah c'est précisément ce qu'on va voir dans cette vidéo les amis. Deux glitches sur le Strider, un qui vous permet de voler et l'autre qui vous permet d'aller extrêmement vite. Je compte sur toi pour bombarder la barre de pouces bleus si tu kiffes les petites vidéos comme ça de glitch qui te permettent de montrer des trucs hyper stylés dans Minecraft. Et sur ce, c'est parti. Transition cochon. Alors les amis, on va commencer par le petit glitch de vitesse et je vous montrerai comment faire voler les Striders à la fin. Voilà, je descends. Merci pour les dégâts, en tout cas c'est super gentil. Voilà, tu restes là, tu ne bouges pas. Et surtout, voilà, tu restes bien à ta place. Ça c'est bien pratique, il ne bouge pas. Donc bref, aujourd'hui, les amis, regardez ça. Je vais passer en créatif. Clac. Et en fait, vraiment, j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez, les amis, mais moi j'adore ces nouveaux mobs. D'ailleurs, en période de corona, j'avoue que les mobs ont l'air quand même assez malades. Non mais sérieux, on en parle ou pas de leur tête là, toute tremblante. Bon bref, en tout cas voilà. J'espère que vous allez bien les amis. J'espère que tout se passe bien pour vous, que votre confinement se passe bien. Voilà, j'espère que vous kiffez le fait que voilà, que je sorte des vidéos, que je fasse de plus en plus de lives, voilà, pour vous divertir, pour vous sortir de votre petit voilà, malheureusement de votre petit cocon de confinement du coronavirus. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous fait plaisir. Donc maintenant les amis, parlons un petit peu donc de ce fameux glitch qui vous permet d'aller extrêmement vite. Alors pour cela, vous allez avoir besoin d'obsidienne. Alors vous allez me dire, ouais, ça coûte quand même assez cher. Oui, mais bon, en soi, voilà, je vous montre le glitch. Après, est-ce que ça coûte cher, est-ce que ça coûte pas cher? Moi, après, ça me regarde pas, frérot, hein. Moi, je suis juste là pour vous montrer les glitchs. Donc regardez ça, les amis, je vais faire une traînée. Une traînée d'obsidienne extrêmement grande. Bah voilà, supposons que je veux faire un pont entre ici et là-bas, voilà, tout simplement. Eh bien, regardez ça, les amis, c'est assez marrant. En fait, il réagit bizarrement à l'obsidienne. C'est-à-dire que regardez ça, nous avons... What? Oh! Oh! Attends. Zombie fight piglin. Ah, mais c'est nouveau, ça! Oh! Eh, les amis, j'avais raison! Attends, je rêve ou pas? Comment ça s'appelait, déjà? Bah attends, mais si, c'est ça! Oh, je suis choqué! Ils ont fait la mise à jour, les amis! Je l'avais dit dans mon top 10! Que ça allait... zombie... Ouais, c'est ça, Zombie Pigman. Voilà, c'est ça. Zombie Pigman, Zombie Fight Piglin. Je vous avais dit que le nom allait être changé. Oh là là, je suis vraiment un visionnaire. Je suis vraiment trop fort. Donc bref, regardez ça. On est là pour parler du glitch. Regardez ça. On tue le Zombie Fight Piglin. On monte sur notre cher ami, sur la selle. On a notre petit fungus sur un stick, on se colle à l'obsidienne, et attention, 3, 2, 1, regardez ça, ça me fait aller super vite, wow, oulala, le gars, il a pas kiffé, regardez ça, c'est un glitch qui me fait aller extrêmement vite lorsque je me colle à l'obsidienne, regardez ça, ça me permet d'aller super vite. Alors attends, est-ce que je peux aller sur l'obsidienne? Moi j'avais vu que c'était vraiment quand on est contre l'obsidienne, regardez ça, regardez ça, la vitesse à laquelle ça me fait aller. C'est du grand n'importe quoi, mais en même temps c'est tout ce qu'on aime, hein. C'est tout ce qu'on aime, les petits glitchs comme ça, où on peut aller super vite, c'est vraiment tout ce qu'on aime. Alors attends, j'ai envie de tester, est-ce que si jamais je vais sur... Voilà, ne bouge pas, surtout pas. Est-ce que ça me fait aller plus vite? Non, ça me fait pas aller plus vite. Est-ce que je vais sur la gauche? Est-ce que si... Ouais, regardez ça. Ouais, c'est bon, ça me fait aller vite. Bon alors, évidemment, ne fais pas de... Ne faites pas comme moi et ne mettez pas votre chemin en plein milieu de la lave. Bah oui, parce que sinon vous allez prendre des dégâts et ça serait un petit peu bête. Mais bref, du coup voilà, regardez ça, vous avez vu le premier glitch donc. Voilà, on peut aller extrêmement vite avec notre cher ami le Strider si vous avez un chemin d'obsidienne. Alors attends, j'ai envie juste de tester, juste au cas où, est-ce que si je fais un autre bloc, parce que moi j'ai vu ça avec l'obsidienne, mais est-ce que ça marche aussi avec d'autres blocs ou c'est uniquement avec l'obsidienne? On va tester ça tout de suite, parce que si c'est avec d'autres blocs, pour le coup ça vaut le coup, mais c'est vrai que si c'est juste avec l'obsidienne, c'est vrai que j'ai pas pris le temps de regarder si ça marchait avec les autres blocs, donc là regardez ça, on va tester avec les autres blocs, tagadigadigadagada, voilà, regardez ça, hop là, je fais spawn un Strider, je lui mets une petite selle, je monte dessus. Et est-ce que ça marche du coup avec les autres... zut, fungu, voilà. Est-ce que ça marche avec les autres blocs? On va voir ça tout de suite. Est-ce que ça... Mais ça marche avec les autres blocs! Mais...
Dans le mode, ils ont testé ça avec de l'obsidienne. Mais ça marche avec les autres blocs, mais ça c'est génial. Ça c'est génial, ça veut dire que n'importe... Vous pouvez utiliser de la cobble, vous pouvez utiliser de la netherrack, n'importe quoi, pour aller extrêmement vite d'un ponton à l'autre. Ça c'est génial, ah ouais, ça c'est génial. Ça c'est vraiment génial. Donc voilà les amis, ça c'était le premier glitch, comment aller extrêmement vite dans le nether avec le Strider. Alors maintenant les amis, on va rentrer voilà, dans notre cher Overworld et on va tester du coup le deuxième glitch les amis. Alors comment ça se passe? Comme vous pouvez voir, j'ai ici des striders qui volent. C'est pas du tout normal, on est d'accord. Donc regardez ça les amis, vous allez d'abord devoir faire une piscine. Voilà, une piscine qui ressemble à peu près à ça. Alors, au niveau des dimensions les amis, il faut qu'il y ait un creux. Donc en fait, la dimension basique, je pense qu'un 3x3 devrait suffire. On va tester avec un 3x3, juste histoire de voir si mon glitch fonctionne également avec une piscine de 3x3. Vous devez avoir, voilà, un truc comme ça, une piscine à peu près comme ça, avec un creux au milieu, très important. Vous prenez ensuite, voilà, des seaux de lave, et vous mettez de la lave tout autour, voilà. D'accord, ça a pas l'air de marcher effectivement avec un truc comme ça. Donc on va faire un truc un peu plus grand. Ok, donc là voilà, c'est bon, on a notre petite piscine. Et maintenant les amis, donc voilà, comme je vous ai dit, vous mettez de la lave tout autour. Et il faut bien qu'il y ait un creux au centre. Voilà, donc ces dimensions là, c'est nickel. Là vous avez un creux au centre, voilà, là ça se regroupe. Donc maintenant, vous allez pouvoir ramener votre petit strider. Voilà, et supposons que vous l'ayez rapporté. Voilà, vous en faites apparaître. Clac, clac, clac. Voilà, vous mettez des selles bien évidemment. Tac. Voilà, des petites selles, voilà, partout. Et maintenant qu'ils sont sur la lave, maintenant, on va les faire glitcher. Donc, pour cela, c'est très simple. On va prendre une petite épée, voilà, au cas où. Vous allez monter sur l'un de vos striders, voilà. Vous allez vous rapprocher du bord avec votre fungus. Vous quittez Minecraft. Hop, voilà, vous quittez Minecraft. Vous relancez le jeu. Vous relancez le jeu et normalement, alors ça marche pas à tous les coups, ok, vous voyez, ça marche pas à tous les coups. Mais regardez ça, à force d'essayer, vous allez voir ça va finir par marcher, je ferme même Minecraft complètement. Et au bout d'un moment, si vous, voilà, vous quittez votre fungi, est-ce que ça a marché ou pas? Ah non, il est pas allé au bord, alors attends, est-ce que si je casse le bloc? Oui c'est bon, regardez ça, il vole, c'est bon, il vole. Voilà, c'est bon les amis, il vole, voilà, nickel, et vous pouvez le guider dans les airs, voilà, tout fonctionne comme prévu. Ah, je suis content, parce qu'il est compliqué à avoir ce glitch, hein. Il marche pas à tous les coups, comme vous avez pu le voir. Et là, du deuxième coup, j'ai réussi, donc ça fait super plaisir. Donc voilà, et maintenant, vous avez un fungi qui vole. Et donc ça, c'est vraiment, vraiment archi cool, parce que pour la première fois, les amis, j'espère vraiment que ce glitch ne sera pas supprimé, j'espère vraiment. Mais pour la première fois, les amis, vous allez pouvoir chevaucher une créature dans Minecraft qui puisse voler. Voilà, pour vous déplacer dans les airs. C'est-il pas magnifique, ça? Et attends, si je prends une potion speed. Speed 2. Alors attends, j'ai envie de tester. Si j'ai speed 2 comme ça, est-ce que si je lui lance la speed 2, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que tu fonctionnes si je te balance une petite speed 2? Est-ce que tu fonctionnes? Non, tu vas pas la fonctionner. Et si moi, je prends une potion de Swiss de speed 2, est-ce que ça marche sur toi? Ah, ça marche pas sur toi. Alors attends, éventuellement, est-ce que si je te rapproche genre d'une surface, une surface plate, et que je te balance de la speed 2, est-ce que ça marche? Parce que ça, pour le coup, ça peut être vraiment cool, hein. Oh, si ça peut, si les potions fonctionnent sur lui, ça serait carrément cool. Ok, d'accord, attends, ne va pas à terre. Clac, 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 et maintenant, vas-y. Ah, j'ai pas l'impression que ça marche sur lui, dommage. Et hop, évidemment, vous pouvez, voilà, descendre de votre petit fungi. Là, il est sur le sol, mais si vous remontez dessus, clac, 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 regardez ça, ça marche. Il est bien connecté à l'air. Donc maintenant les amis, on va refaire ça, le test. On va refaire le test en survival, voilà, pour pas qu'il y en ait qui disent bah genre, bah ça marche pas, bah, bah, parce que t'es en créatif, machin, machin. Slash game mode survival. Attention, attention. Hop, voilà, je monte dessus. Je le bouge. Hop, je quitte. Non, faut que je descende. Hop, je descends, je quitte Minecraft tout de suite. Voilà, single player. Je relance le monde. Voilà, je suis bien en survie, comme vous pouvez le voir. Et voilà, regardez ça, il s'est même téléporté un petit peu plus loin. Et voilà, il vole, et je suis en survie, et je peux voler. Donc voilà, un glitch extrêmement simple à réaliser. La seule difficulté, finalement, c'est juste de trouver un strider et le ramener dans le monde normal. Puis ensuite, faire de votre petit pot de lave, etc., etc. Voilà, mais au-delà de ça, c'est extrêmement simple à réaliser. Transition cochon. Donc du coup, voilà les amis, c'est tout pour ces deux glitchs avec le strider dans Minecraft. J'espère vraiment que ça t'a plu, je compte vraiment sur toi, s'il te plaît, pour mettre un petit pouce bleu à cette vidéo, ça prend 2 secondes. N'hésite pas aussi à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, surtout activez la cloche, les amis, c'est très important. Activez la cloche, les amis, pour être tenu au courant des nouvelles vidéos qui sortent, parce que voilà, YouTube fait de plus en plus de la merde. Donc voilà, c'est important. Activez la petite cloche, c'est vraiment important pour m'aider. Voilà, merci en tout cas à tous ceux qui regardent mes vidéos. Merci à tous ceux qui sont abonnés et qui me soutiennent. N'hésitez pas aussi à me rejoindre en live de temps en temps, parce que je suis en live l'après-midi et le soir. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de laisser un petit pouce bleu. Et sur ce, les amis, je vous souhaite de passer une excellente journée. Prenez soin de vous. Voilà, soyez forts. On est ensemble. On regarde des vidéos. Je vous sors des trucs originaux et ça me fait plaisir. Donc voilà, bon courage à vous, je vous donne rendez-vous dans
2 jours pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, souriez, soyez heureux, et bien belle, high five!